Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un unboxing, comme vous avez pu voir dans le titre, Diamond Painting. Alors aujourd'hui c'est unboxing de la boutique Gutfeld, voilà. Ils m'ont reproposé de m'envoyer des kits que j'ai pu choisir, voilà. Donc j'ai pu choisir 4 kits dans leur boutique. Youpi. Donc j'ai choisi, alors c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai toujours de plus en plus de mal à choisir les kits maintenant. J'ai choisi donc 4 kits. Il y a 2 petits, on va dire, et 2 plus grands. Voilà, il y aura 1, 2, 3 en diamants spéciaux et un qui sera en diamant carré entier. Pardon. Voilà. Alors, j'ai reçu ce midi. Alors, j'étais chez moi, toujours avec mes problèmes de colis. J'étais chez moi, c'est arrivé par la poste. Aujourd'hui, donc j'ai une petite boîte, vous savez les boîtes cubes là, j'ai les boîtes cubes qui est dans le mur, j'étais chez moi, je n'ai pas bougé, et personne n'a sonné à ma porte, bien sûr. Et cet après-midi, j'avais besoin de partir. J'avais un rendez-vous. Puis je vois des trucs sortir de ma boîte aux lettres, du courrier. Je vois là, il y a beaucoup de courriers. C'est quoi tout ça? Donc avant de partir, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et il y avait le colis dans la boîte aux lettres. Alors le courrier, complètement chiffonné. Hein, vas-y, je t'ai pris le courrier, je te le mets comme ça dans la boîte aux lettres. Et dedans, il y avait le colis. Alors, le colis, je vais essayer de vous remettre comme je l'ai trouvé. Il était... Alors, et encore. Non, j'arrive même pas à le refaire. Il était, vous voyez, le colis. Il était complètement plié. Complètement plié dans ma boîte aux lettres. Dans ce petit cube, vous voyez la taille, hein, de toute façon c'est des boîtes aux lettres standard, et donc vous voyez la taille du colis. Lui, si je le croise, le facteur, je lui fais une tête au carré, et je vous jure que sa tête, elle sera carrée, et elle va rentrer dans ma boîte aux lettres. J'en ai marre. J'en ai marre des livreurs, j'en ai marre des facteurs. Putain, c'était... La sonnette est à côté de la boîte aux lettres. Boîte aux lettres là, sonnette là. Drin. C'est compliqué. J'étais chez moi. Et il sait pourtant, il me connaît. Et en plus, il sait que je suis une râleuse. Quand il y a un problème, il sait que je râle. Donc, ou alors c'était un remplaçant, j'en sais rien. Mais quand je vais le voir, je vais lui demander si aujourd'hui c'était un remplaçant ou si c'était lui. Et il va entendre parler du pays. Voilà. Alors, heureusement, alors j'ai ouvert le paquet. J'ai déjà ouvert. J'avais peur que ce soit abîmé. Ah, désolé, il y a un chat. Dans ma gorge. J'avais peur que ce soit abîmé. Et heureusement, il n'y a rien d'abîmé. Alors, là, il a eu du bol parce que là, je lui faisais sa fête. Là, je lui faisais sa fête. Il n'y avait rien d'abîmé dedans. Il a eu du bol. Vraiment. Mais je vous jure, hein, c'est... Plus fainéant, il n'y a pas. Hein. C'est vraiment... je les ai là.
Là, les boules. Enfin. Donc, j'ai eu 4 kits. Voilà. Petit, plus petit, un grand et 2 grands. On va commencer par lequel? Au pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bon, c'est lui l'andouille. Donc on va commencer par lui. Allez, on attaque. Alors, le bout. Désolée, la lumière est peut-être pas bonne. Mais bon, il fait tellement froid que je ferme mes rideaux et pour que le chauffage fonctionne un peu mieux dans la pièce. Alors, voilà quoi. Donc celui-ci, c'est un 40-50. C'est un diamant spéciaux. Il y a 15 couleurs. Hop. Alors la toile est déjà belle. Donc, heureusement, elle n'a pas eu de problème à cause de la boîte aux lettres. Donc, voilà, comme d'habitude, le petit kit. Hein. Je ne vous présente plus ça, on a l'habitude. Voilà. Je vous montre le kit après. Hein. Voilà, vous savez. Les petites perles, enfin les perles, les strass, puisque là, c'est un diamant spéciaux. Donc, j'ai dit, il y avait 15 couleurs. Joli. Bon, les strass, c'est toujours à peu près la même couleur hein, sur tous les kits, mais bon. Alors... couleur diamant, hein. Rouge, jaune, alors la couleur elle donne pas bien, mais là, jaune, je vais le mettre de ce côté-là peut-être, bleu, une autre sorte de bleu, est-ce que si j'allume, est-ce qu'on voit mieux? Même pas où il est le bouton de ma lampe, il est enfoui là-dedans. Alors, petit bouton, où es-tu? Voilà, hop, manquait de m'asseoir à côté. Alors, je recommence. Oui, on voit un peu mieux. Alors, hop, hop, hop. Donc, diamant rouge. Jaune, bleu, là, c'est vert là, vert, là c'est les demi-perles bleues, un rouge, là c'est des plus gros, alors c'est vert avec des holographiques, voilà, des oranges holographiques. Alors, là, couleur diamant. Donc là, il y en a 2. Oh, ils sont beaux, ceux-là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. C'est violet, holographique. Des petites gouttes d'eau, couleur diamant. Celles-là, elles sont belles aussi, celles-là. Des gouttes d'eau, alors, violette. Là, des rouges. Et là, des blanches. Voilà. De très jolies couleurs. Dedans, il y en a que je n'ai jamais eu. C'est bien. C'est joli. Bon, je sais, je fais du bruit, je le dis à chaque fois. Mais tant pis, il faut bien que je range.
Voilà. Donc, niveau toile, elle est nickel. Vous voyez? Et le dessin, ta-da-da-da. Le voilà. Un attrape-rêve avec un beau hibou. Avec ses ailes déployées. Il est trop, trop beau. Avec un cadre tout autour. Donc, c'est le hibou et le... Et le, l'attrape-rêve qui se travaille. Il est super beau. Il est chouette, hein? Pour un hibou. Donc voilà le premier. Donc il est nickel, pas de problème. Donc 15 au niveau colle. Je n'ai pas regardé au niveau de la colle. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça colle. Et là, de toute façon, au niveau impression, il n'y a pas de problème. Hein. Les spéciaux, vous voyez, il n'y a jamais de souci hein, pour les spéciaux. Donc, celui-là est très, très beau. On va le remettre dans son petit paquet. S'il veut bien rentrer dedans. Rentre petit boum. Voilà. Allez, c'est bon. Hop. Donc voilà le premier. Alors, ensuite, alors lequel je vous montre? Pour pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. C'est lui l'andouille. Allez, bon là j'ai déjà ouvert les paquets hein, parce que comme j'avais, je voulais regarder si c'était abîmé ou pas. Donc, il n'était pas abîmé. Alors, comme d'habitude, le petit kit qui va bien. Donc, celui-là, c'est un 30-30. Il est en diamants spéciaux. Voilà, il a combien de couleurs? 13 couleurs. Alors, celui-là va vous rappeler quelque chose. Je vous montre tout de suite les couleurs. Bon, j'ai toujours une tête. Alors, c'est une galère, moi, mes cheveux. Il va quand même falloir que je me décide d'aller chez le coiffeur. Voilà. Alors, des grands strass verts. Alors là, des toutes petites, petites, petites demi-gouttes. Là, des demi-gouttes à plus grande couleur diamant. Là, elles sont roses. Ici, elles sont vert clair. Bleu très clair. Des petits strass verts. Un autre vert, notre sorte de vert, un rose un peu fuchsia, la couleur diamant, violet, vert, et là, et notre sorte de vert. Voilà. Donc, de très jolies couleurs aussi. Tout joli ça, tout beau, tout beau.
je me remballe les perles avant de vous montrer le kit. Alors, la toile est nickel, pas de problème. Bon, juste les pliures de l'enroulage, hein, mais ça, c'est normal. Allez, un petit coup de fer et il n'y paraîtra plus rien. Donc, la toile fait, 30 sur 30. Donc, le dessin doit faire dans les 25, hein, je pense. On va voir. Ouais, 24. 24 sur 24. Et donc, celui-là va vous allez dire, ça, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Voilà. Une chouette. Ça ressemble un peu aux dernières que j'ai faites, hein. Donc, voilà. Elle est toute jolie. J'aime bien les chouettes. Elle est belle, hein? Donc, voilà. Le deuxième... Voilà, on va le remettre dans sa petite pochette. Donc, comme d'habitude, hein, je vous remets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tous les kits que je vous présente. Et il en reste deux. Allez, on fait Tropic Nidouille. Tropic Nidouille, c'est étoile en douille. C'est celui-là. Allez. Comme ça, il y a le grand que je vous montrerai en dernier. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un 30-40. Il n'a que 8 couleurs. Ah, là, il y a une petite pince en plus. Mais bon, c'est la pince noire en plastique. Hein, donc, pas grand intérêt en plus. Et donc, on a 8 couleurs. Donc, là, ce ne sont que des strass. Puisque celui-là est aussi en diamants spéciaux. Ah ben non, il y a des petites gouttes d'eau aussi. Mauvaise langue. Donc, il y a 8 couleurs. Elle est jolie, celle-là. Elle est belle. Donc, voilà les couleurs. Donc, diamant. Un rose, un peu violet. Là, un violet, encore un autre violet, là, un jaune. Alors, celles-là sont vraiment belles. Alors, je sais pas si vous allez bien pouvoir les voir, c'est en jaune, mais alors, et on dirait un peu qu'elles sont en relief. Jolies. Là, des petites gouttes d'eau couleur diamant et des demi-perles plus grosses couleur diamant. Voilà. Donc là, 8 couleurs. Voilà. Donc, la toile... Nickel, voilà. Pareil, le petit bout de fer qui ira très bien. Bon, là, il est très simple, hein. Il n'est pas compliqué du tout. C'est parce que, bon, là, c'est le dernier que j'ai choisi. Je ne savais plus quoi prendre. Je ne savais plus quoi prendre. Puis bon, si, je l'ai trouvé beau quand même. Hein. Il est beau quand même.
Alors, que j'avais dit à taille 30-40, 8 couleurs. Et voilà. Donc, c'est un papillon sur un fond bleu marine. Est tout simple, hein. Il va aller super vite à faire celui-là. Il est très joli. Donc voilà pour l'avant-dernier. Allez, hop. Voilà, on va le remettre dans sa petite poche. Et je vous montre le dernier. Alors, le dernier, je l'ai choisi. Normalement, ce sera Chouchou qui le fera. Bon, il faudra peut-être qu'il passe la seconde pour finir le sien, hein. Parce qu'il en a déjà deux en réserve là, donc faudrait peut-être qu'il accélère. Bon, s'il fait pas, tant pis, je le ferai, hein, c'est pas un problème. Petit bout de papier là qui traîne. Ah, j'ai deux kits. Donc j'ai deux kits dedans. Alors, au niveau de la toile, ça va. Hein, mais c'est pareil, hein, un petit coup de fer sur l'envers. Alors, il a 22 couleurs. Donc ici, c'est un plein. Il n'a pas de rivière. Hein. Non. Alors, les papiers transparents comme ça j'aime pas beaucoup. Surtout quand c'est pour des pleins. Faire les papiers des autres. Alors, je vous montrerai le dessin après. Donc, ici, ce sont des perles. Là, ce sont des perles carrées. Donc, j'ai dit 22 couleurs. Donc, il y a des paquets où ils sont en double, en triple. Alors, je cherche le début. Ah, voilà. C'est ça, hein? Oui. Donc, violet, un rose parme, un violet, un autre violet, un bleu clair. Alors là, il y a deux paquets pareils de bleu, un autre bleu où il y a deux paquets. Là, un, deux. Là, c'est encore trois bleus différents. Un, deux, trois. Voilà. Et ensuite, on redémarre ici. Il y a beaucoup de bleus, hein. Un bleu marine, un autre bleu clair, un bleu marine très foncé. Un petit peu de rose, encore un bleu, je vous disais, il y a beaucoup de bleu, rose, un autre rose, un rose plus foncé, un violet, donc là il y a deux paquets du même violet, encore une autre sorte de bleu,
Encore un autre bleu. Un blanc cassé. Et bien, je crois que j'ai tout montré. Voilà, oui. Il n'y a pas de noir. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de bleu. Donc, beaucoup de bleu, vous devez deviner ce que c'est. Voilà. J'essaie de ranger les perles comme il faut. Alors, j'avais dit 22 couleurs, c'est ça. Donc, c'est un 40-50 et c'est des dauphins. Voilà. Des jolis dauphins. Donc, qui sortent de la mer, hein, qui font leur joli saut avec un clair de lune, là. Donc, il est très joli. Bon, c'est Chouchou qui l'a choisi, mais il aime bien, lui, tout ça. Les dauphins, les animaux. Il aime bien tout ça. Ouais, moi, je le trouve beau aussi. Donc, voilà. Alors, je vais remettre les perles dedans. Qu'on se mélange les pinceaux. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces kits, lesquels vous préférez, lesquels que vous n'aimez pas. N'hésitez pas hein, à me dire. Désolée pour le bruit, mais je vais ranger les perles. Hop, voilà. N'hésitez pas à me dire. Moi, de toute façon, je vous remets, comme j'ai dit, en barre d'infos. Tous les liens qui se rapportent à ces kits. Je vous remets également. Bon, j'arrête de faire du bruit. Je vais finir de le ranger, comme ça j'arrêterai de faire du bruit. Allez. Bon, je ferai après. Je vous mets également le lien de la boutique, donc les liens des kits. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces kits. Donc là, bon, j'en ferai entre deux, hein, comme d'habitude, puisque c'est des kits qui vont assez rapidement à faire. Donc vous aurez des vidéos dessus, comme d'habitude. Et puis moi, il faut que je me décide d'acheter le coiffeur, j'en ai marre. Oh là là. Alors quand je vais chez le coiffeur, ça va être la coupe. Il n'y a plus de cheveux, hein. C'est carré, coupé, clap, court. Ah oui. Donc voilà. Bon, bah, je suis contente qu'ils n'ont pas été abîmés dans la boîte aux lettres. Mais ça ne m'empêche que je vais quand même engueuler le facteur. Voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je remercie encore beaucoup la boutique Gutfeld donc pour leur envoi pour les 4 kits. Très gentil de leur part. Et moi maintenant, je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures, plein de belles choses comme d'habitude. Et j'attends tous vos commentaires. À bientôt. Bisous.